George Orwell, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. fr.wikipédia.org. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, Motihari, Inde, 25 juin 1903, Londres, 21 janvier 1950, est un écrivain anglais dont l'œuvre porte la marque de ses engagements, qui trouvent eux-mêmes, pour une large part, leur source dans l'expérience personnelle de l'auteur. Contre l'impérialisme britannique, après son engagement de jeunesse comme représentant des forces de l'ordre colonial en Birmanie, pour la justice sociale, après avoir observé et partagé les conditions d'existence des classes laborieuses à Londres et à Paris, contre les totalitarismes nazis et soviétiques, après sa participation à la guerre d'Espagne. Témoin de son époque, Orwell est dans les années 1930 et 1940 chroniqueur, critique littéraire et romancier. De cette production variée, les deux œuvres au succès le plus durable sont deux textes publiés après la Seconde Guerre mondiale, La ferme des animaux et surtout 1984, roman dans lequel il crée le concept de Big Brother, depuis passé dans le langage courant de la critique des techniques modernes de surveillance. L'adjectif orwellien est également fréquemment utilisé en référence à l'univers totalitaire imaginé par l'écrivain anglais. Partie 1. Biographie. Sous-partie 1.1, une éducation anglaise. Eric Arthur Blair naît le 25 juin 1903 à Motihari, ancienne présidence du Bengale et actuelle Bihar, dans une famille appartenant à la moyenne bourgeoisie anglaise. Il est le fils de Richard Walmesley Blair, un fonctionnaire de l'administration des Indes chargé de la régie de l'opium. Le commerce de l'opium, essentiellement en direction de la Chine, est à l'époque un monopole d'État. Et d'Ida Mabel Blair. Il a deux sœurs, Marjorie, l'aînée, et Avril, la cadette. Il retourne en Angleterre en 1904 en compagnie de sa mère et de sa sœur. Eric ne revoit son père qu'en 1907, lors d'une permission de 3 mois accordée à ce dernier, qui ne rejoint définitivement sa famille qu'en 1911, après sa mise en retraite. À cette époque, le jeune Eric Blair est déjà pensionnaire de la Preparatory School de Saint-Cyprien, qui lui inspire bien plus tard, dans les années 1946-1947, un récit qu'il présente comme autobiographique, publié seulement après sa mort, Such Were the Joys. Il y décrit quel épouvantable cauchemar furent pour lui ses années d'internat. Eric Blair est néanmoins un élève brillant et travailleur. Il passe auprès de ses camarades pour un intellectuel, que ses maîtres motivent en lui rappelant que c'est à une bourse qu'il doit son admission à Saint-Cyprien. Signe de son excellence scolaire, Blair obtient une bourse au collège d'Eton, la plus réputée des public schools, où il étudie de 1917 à 1921. Orwell garde un assez bon souvenir de ces années, durant lesquelles il travaille peu, passant graduellement du statut d'élève brillant à celui d'élève médiocre, et faisant montre d'un tempérament volontiers rebelle, rébellion qui, semble-t-il, n'est aucunement liée à des revendications d'ordre politique ou idéologique. À cette époque, il a deux ambitions. Devenir un écrivain célèbre, il écrit des nouvelles et des poèmes médiocres dans une revue du collège, et retourner en Orient, qu'il connaît surtout par l'intermédiaire des souvenirs de sa mère. Sous-partie 1.2, au service de l'Empire. La relative prospérité de la famille Blair est étroitement liée à l'impérialisme britannique. Outre son père, on peut citer l'arrière-grand-père paternel du futur George Orwell, propriétaire d'esclaves en Jamaïque, ou encore son grand-père maternel, marchand de teck en Birmanie. Aussi, même s'il s'agit d'une peu glorieuse conclusion à une scolarité effectuée dans d'aussi prestigieux établissements, est-ce donc tout naturellement que le jeune Eric Blair endosse l'uniforme et retourne aux Indes en 1922 pour devenir sergent de la police impériale en Birmanie? La situation sur place est à ce moment, sinon toujours explosive, du moins souvent tendue entre les Birmans et leurs colonisateurs. Le nationalisme birman prend alors son essor, marqué par plusieurs mouvements de grève, en général violemment réprimés. La mission des Britanniques est, selon le mot d'un ancien gouverneur adjoint de Birmanie, de faire régner la loi et l'ordre dans les régions barbares. Orwell qualifie plus tard son temps de service comme ayant consisté en 5 années d'ennui au son des clairons. Après avoir effectué ses 9 mois réglementaires à l'école d'entraînement de la police, il connaît 6 lieux d'affectation différents, en général peu reluisants. Il laisse l'image d'un grand jeune homme taciturne et solitaire, occupant la majeure partie de son temps libre à la lecture.
Parmi les anecdotes que l'on peut citer concernant cette période, il aurait un jour assisté à une exécution en capitale, ce qui lui inspire l'essai Une pendaison, son premier écrit qui témoigne d'un style distinctif et du talent d'Orwell. On ne connaît pas non plus avec certitude le détail de l'évolution intérieure qui le fait passer de l'ennui au dégoût de sa fonction comme rouage de l'administration coloniale. Mais il est permis de penser que ces propos de Fleury, l'anti-héros de Une histoire birmane, ne doivent pas être très éloignés de ce que pense le fonctionnaire de police Eric Blair vers 1927. Le fonctionnaire maintient le birman à terre pendant que l'homme d'affaires lui fait les poches. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'année 1927, il jette l'éponge. Arguant de raisons de santé, sur lesquelles nous ne savons rien, il rentre en Angleterre et donne sa démission. Il annonce alors à sa famille qu'il a décidé de se consacrer à l'écriture. Tout au long des 22 ans qui lui restent à vivre, il reste un ennemi déclaré de l'impérialisme britannique. Sous-partie 1.3, des débuts d'écrivain difficiles. Eric Blair semble n'avoir guère eu de don particulier pour l'écriture, si l'on en croit le témoignage de ceux qu'il fréquente à l'époque. Il travaille donc d'arrache-pied, écrit poèmes sur nouvelles et multiplie les ébauches de romans. En parallèle, à l'automne 1927, il explore les bas-fonds londoniens, enquêtant sur les conditions de vie des plus démunis, les suit sur les routes et dans les sinistres asiles de nuit. Il espère en tirer la matière d'un ouvrage sur les conditions de vie des pauvres. Il tente par là d'exorciser la culpabilité qui le ronge d'avoir été l'exécutant d'un système d'exploitation et d'oppression en Birmanie. Au printemps 1928, il décide d'aller s'installer à Paris, où vit l'une de ses tantes, pour écrire. Il y reste 18 mois, au cours desquels nous ne savons pas grand-chose de ce qu'il a fait, si ce n'est qu'à l'automne 1929, à court d'argent et après avoir donné quelques leçons d'anglais, il fait la plonge durant quelques semaines dans un hôtel de luxe de la rue de Rivoli. Durant cette période, il publie épisodiquement des articles dans des journaux communistes, tels que Le Monde, hebdomadaire dirigé par Henri Barbusse. De la quasi-totalité de ses écrits de cette période, il ne reste rien. Il retourne en Angleterre en décembre 1929, juste à temps pour passer les fêtes de Noël avec sa famille. Fauché, n'ayant rien publié de prometteur, sa santé mise à mal par une pneumonie contractée l'hiver précédent, l'équipée parisienne apparaît comme un fiasco intégral. Il reprend son exploration des bas-fonds de la société anglaise au printemps suivant, partageant la vie des vagabonds et des clochards, tantôt quelques jours, tantôt une semaine ou deux. Mais il est contraint de mettre un terme à ses expéditions quelques mois plus tard. Il n'a plus les moyens financiers suffisants pour poursuivre ses vagabondages. Il se décide à accepter un poste d'enseignant dans une école privée, dans une petite ville où il s'ennuie, Hayes, dans le Middlesex. Il en profite pour acheter Dans la dèche à Paris et à Londres, Down and Out in Paris and London, qui paraît au début de l'année 1933. C'est à cette occasion qu'il prend le pseudonyme de George Orwell. Même si les critiques sont bonnes, les ventes sont médiocres. Qui plus est, l'éditeur d'Orwell, Victor Golans, craint le procès en diffamation pour Une histoire birmane, Burmese Days, dont la rédaction est achevée à l'automne 1934, et qui, pour cette raison, est tout d'abord publiée aux États-Unis. À cette période, Orwell s'enthousiasme pour l'Ulysse de James Joyce et contracte une nouvelle pneumonie qui l'oblige à abandonner sa charge d'enseignant, ou plutôt qui l'en libère. Sous-partie 1.4, à la rencontre du prolétariat. À la fin de l'automne 1934, Orwell termine dans la douleur la rédaction de son deuxième roman, Une fille de pasteur, dont il se montre peu satisfait. C'était une bonne idée, explique-t-il à l'un de ses correspondants, mais je crains de l'avoir complètement gâchée. Là encore, la précision des références au lieu et à des personnages réels fait craindre à Victor Golans que l'ouvrage ne soit poursuivi en diffamation. Il se décide toutefois à le publier, assorti de corrections mineures, au début de l'année 1935. Entre-temps, Orwell s'est installé à Londres, où il trouve un emploi à la librairie Books Lovers Corner, dans le quartier d'Hampstead, qui était et demeure un quartier d'intellectuels, réels ou prétendus. Il rencontre Eileen O'Shaughnessy, qu'il épouse en juin 1936. Orwell a auparavant publié un autre roman, le dernier de ses livres consciemment littéraires, selon Bernard Crick, et vive l'Aspidistra. Il se rend aussi dans le nord de l'Angleterre où, pour honorer une demande que lui a passée Victor Golans, il étudie les conditions de vie des mineurs des régions industrielles. Il tire de ce reportage un livre, Le Quai de Vigan, qui sera publié alors qu'Orwell est en Espagne.
Très polémique dans sa seconde partie, dans laquelle l'auteur analyse les raisons de l'échec de la gauche à gagner les classes laborieuses à la cause socialiste, il paraît avec une mise au point hostile de Victor Gollancz qui, initiateur du projet, se désolidarise de son aboutissement. Cette rencontre avec le prolétariat des régions minières marque surtout la conversion d'Orwell à la cause socialiste. Celle-ci survient brutalement, comme une évidence, face au spectacle de l'injustice sociale et de la misère du prolétariat anglais. Sous-partie 1.5, Orwell en Espagne. Fin 1936, alors que fait rage la guerre d'Espagne qui met aux prises les républicains avec la tentative de coup d'état militaire menée par le caudillo Francisco Franco, Orwell et son épouse rejoignent, par l'intermédiaire de l'Independent Labour Party, qui leur a remis des lettres de recommandation, les milices du PUM, après un bref détour à Paris, où Orwell rend visite à Henry Miller, qui tente en vain de le dissuader de se rendre en Espagne. Orwell, à son arrivée à Barcelone, est fasciné par l'atmosphère qu'il y trouve. Lui qui l'année précédente se désolait de ne pouvoir rompre la barrière de classe qui sépare le bourgeois qu'il est de ces prolétaires qu'il était allé rencontrer, empêchant toute rencontre véritable entre les uns et les autres, découvre là une société dans laquelle cette barrière, à ce qui lui semble, est en train de s'effondrer. Les milices du PUM, notamment, dans lesquelles il est nommé instructeur, grâce à l'expérience acquise dans ce domaine lors de ses années birmanes, lui apparaissent comme étant une sorte de microcosme de société sans classe. Après avoir passé quelque temps sur le front d'Aragon, Orwell retourne à Barcelone, où il participe aux troubles de mai qui opposent les forces révolutionnaires au gouvernement catalan et au PSUC, et qui verront la victoire de ces derniers. Il retourne au front où il est blessé à la gorge. Démobilisé, contraint de quitter clandestinement l'Espagne pour ne pas être arrêté, le PUM, dénoncé comme un parti fasciste par la propagande du PSUC, est déclaré illégal le 16 juin 1937. Orwell et son épouse gagnent la France, d'où ils rejoignent l'Angleterre. Orwell, à son retour à Londres, est atterré par la manière dont les intellectuels de gauche, en particulier ceux qui appartiennent ou sont proches du Parti communiste, rendent compte de ce qui se passe en Espagne, et notamment par les calomnies répandues sur le compte du PUM, systématiquement accusé d'être soit une organisation fasciste, soit une organisation manipulée par les fascistes. C'est dans l'optique de rétablir la vérité quant aux événements dont il a été témoin qu'il entreprend alors de rédiger son Hommage à la Catalogne qui fait paraître, avec quelques difficultés, en avril 1938. À partir de ce moment, écrira-t-il en 1946, tout ce qu'il a écrit de sérieux a été écrit, directement ou indirectement, et jusque dans la moindre ligne, contre le totalitarisme et pour le sociétalisme démocratique. Sous-partie 1.6, le patriotisme révolutionnaire. Alors que la menace d'un nouveau conflit européen se fait de plus en plus précise, Orwell défend une position anti-guerre et critique l'antifascisme des fronts populaires. Cette guerre ne servirait, selon lui, qu'à renforcer les impérialismes européens, qui ont beau jeu de se présenter, face à la menace fasciste, comme des démocraties, alors qu'ils exploitent sans vergogne 600 millions d'êtres humains privés de tout droit. Quelques mois plus tard, pourtant, il change radicalement de sa position sur le sujet. Alors que le Parti communiste, qui appelait auparavant à la lutte contre les dictatures fascistes, se découvre pacifiste à la suite du pacte germano-soviétique, Orwell découvre que, dans le fond, il a toujours été un patriote. Contrariant le désir qu'il avait de s'engager dans l'armée, sa faible santé le fait réformer. Malgré celle-ci, il s'engage en 1940 dans la Home Guard, milice de volontaires organisée par l'État et créée dans le but de résister à l'invasion nazie dans le cas où les Allemands parviendraient à débarquer en Grande-Bretagne. Par ailleurs, en 1941, il est engagé comme producteur à la BBC, diffusant émissions culturelles et commentaires de guerre à destination des Indes. Parallèlement à ses activités, Orwell envoie régulièrement des articles, Les Lettres de Londres, à la revue américaine d'inspiration trotskiste, The Partisan Review. En effet, le patriotisme dont il fait preuve depuis le début de la guerre ne lui a pas pour autant fait abandonner ses aspirations révolutionnaires. Bien au contraire, il estime que la victoire de la Grande-Bretagne sur les dictatures fascistes passera né nécessairement par la révolution sociale en Angleterre, révolution dont il voit les signes avant-coureurs dans le mécontentement croissant des classes populaires face aux privations dues à l'état de guerre, qui ne frappe pas les couches supérieures de la société, et au revers militaire de l'armée anglaise, revers causé selon lui par l'incurie des dirigeants militaires et politiques.
De son point de vue, la Home Guard lui apparaît comme étant ce peuple en armes qui renversera, au besoin par la force, le pouvoir en place avant de défaire les armées hitlériennes. Il développe ses points de vue dans son essai intitulé Le Lion et la Licorne, qui paraît en 1941 de la collection Searchlight, dont il est le cofondateur. En novembre 1943, Orwell démissionne de son poste à la BBC. Il devient alors directeur des pages littéraires de l'hebdomadaire de la gauche travailliste The Tribune et entame la rédaction de La Ferme des Animaux. Sous-partie 1.7, les dernières années. Orwell achève l'écriture de La Ferme des Animaux en février 1944. L'ouvrage ne paraît pourtant qu'un an plus tard, en août 1945. Entre-temps, le livre est refusé par quatre éditeurs. La mise en cause radicale de l'URSS semble prématurée, à un moment où les hostilités contre l'Allemagne hitlérienne ne sont pas encore achevées. En 1945 toujours, Orwell, qui a démissionné de son poste au Tribune, devient envoyé spécial de The Observer en France et en Allemagne, où il est chargé de commenter la vie politique. Il est à Cologne en mars lorsqu'il apprend que sa femme, atteinte d'un cancer, vient de mourir. Il rentre à Londres et entame la rédaction de ce qui va devenir son œuvre la plus célèbre, 1984. En parallèle, à partir d'août 1945, il devient vice-président du Freedom Defense Committee, présidé par le poète anarchiste Herbert Read, qui s'est fixé pour tâche de défendre les libertés fondamentales des individus et des organisations, et de venir en aide à ceux qui sont persécutés pour avoir exercé leur droit à la liberté de s'exprimer, d'écrire et d'agir. Orwell soutient le comité jusqu'à sa dissolution en 1949. En cette même année 1949, il publie 1984, qu'il a achevé à la fin de l'année précédente. Il épouse en secondes noces Sonia Bronwell le 13 octobre, alors que, gravement malade de la tuberculose, il a été admis le mois précédent à l'University College Hospital de Londres, où il prend des notes en vue d'un futur roman. Il meurt le 21 janvier 1950 des suites d'une tuberculose. Orwell est enterré dans le petit cimetière de l'église de Sutton Courtenay, près d'Abingdon, dans l'Oxfordshire, bien que n'ayant aucun lien avec ce village. Il a pourtant laissé comme instruction: Après ma mort, je ne veux pas être brûlé, je veux simplement être enterré dans le cimetière le plus proche du lieu de mon décès. Mais son décès ayant eu lieu au centre de Londres, et aucun des cimetières londoniens n'ayant assez de place pour l'enterrer, sa veuve, Sonia Bronwell, craignant que son corps ne soit incinéré, a demandé à tous ses amis de contacter le curé de leur village d'origine pour voir si leur église disposerait dans ce cimetière d'une place pour l'y enterrer. C'est ainsi qu'il a été, par pur hasard, inhumé à Sutton Courtenay. Sur sa tombe, ces simples mots: Eric Arthur Blair, né le 25 juin 1903, mort le 21 janvier 1950. Sans aucune mention ni à ses œuvres, ni à son nom de plume, George Orwell. Après sa mort, sa veuve a fait publier une collection de ses articles, essais, correspondances, ainsi que quelques nouvelles sous le titre de Collected Essays, Journalism and Letters, 1968. The Complete Works of George Orwell, 20 volumes, première édition des œuvres complètes d'Orwell, a été achevée de publication en Angleterre en 1998. Partie 2. Anecdote. Sous-partie 2.1. Orwell délateur. Le 11 juillet 1996, un article publié dans le quotidien anglais The Guardian explique que George Orwell, en 1949, a collaboré avec l'Information Research Department, une section du ministère des Affaires étrangères britannique liée au service de renseignement, par l'intermédiaire d'une fonctionnaire de celui-ci, Celia Kernwan. Orwell aurait livré à cet agent une liste de noms de journalistes et d'intellectuels crypto-communistes, compagnons de route ou sympathisants de l'Union soviétique. La réalité de cette collaboration est prouvée par un document déclassifié à la veille par le Public Record Office. L'information est relayée en France principalement par les quotidiens Le Monde, 12 et 13 juillet 1996, et Libération, 15 juillet 1996. Le public français apprend à cette occasion que l'auteur de 1984 dénonçait au Foreign Office les crypto-communistes, Le Monde, 13 juillet 1996. Dans son numéro d'octobre 1996, le magazine L'Histoire va plus loin encore, expliquant qu'Orwell aurait spontanément participé à la chasse aux sorcières organisée contre les intellectuels communistes par le Foreign Office.
En revanche, ces articles omettent de mentionner qu'Orwell est un ami personnel de Celia Kirwan, belle-sœur de l'écrivain Arthur Koester. Elle a, en 1945, repoussé la demande en mariage d'Orwell, veuve depuis quelques mois. Celle-ci, à l'occasion d'une visite à l'auteur de L'Hommage à la Catalogne, lui confie travailler alors pour un service gouvernemental chargé de recruter des écrivains et des intellectuels susceptibles de produire de la propagande anti-soviétique. Orwell, après lui avoir donné les noms de quelques personnes de sa connaissance lui paraissant aptes à être recrutées, propose à Celia Kirwan de lui communiquer, à titre privé, les noms d'autres personnes qu'il est, pour beaucoup de notoriété publique, et, en raison de leurs convictions politiques, inutile d'approcher. La fameuse liste, déclassifiée en 2003, mais curieusement, déjà mentionnée dans la bibliographie de Crick parue en 1980, ne dit pas autre chose, et tout laisse à penser que la collaboration d'Orwell s'est réduite à cela. John Muensinger, dans sa biographie politique d'Orwell, a par ailleurs rappelé que George Orwell a à plusieurs reprises manifesté, à la fin des années 1940, son hostilité à toute tentative d'instaurer un macartisme anglais. Le détail de cette affaire se retrouve dans le pamphlet Orwell devant ses calomniateurs, publié par l'Encyclopédie des Nuisances aux éditions Ivrea. De manière plus succincte, Simon Leys aborde la question à la réédition de son essai Orwell ou l'horreur de la politique, 2006. Sous-partie 2.2, George Orwell et Aldous Huxley à Eton. Le futur auteur du Meilleur des mondes enseigna brièvement le français à Eton, en remplacement d'un professeur titulaire parti à la guerre, où parmi ses élèves figurait le futur auteur de 1984. Apparemment, Orwell appréciait Huxley, qui leur apprenait des mots rares et étranges, de manière assez concertée, se souvient Stephen Russinman, ami et condisciple d'Orwell à cette époque, qui ajoute qu'il était un professeur d'une totale incompétence. Il n'arrivait pas à faire respecter la discipline et était tellement myope qu'il ne voyait pas ce qui se passait, si bien qu'il était constamment chahuté, ce qui énervait passablement Orwell, qui trouvait que c'était cruel. Russinman conclut pourtant que les cours dispensés par Aldous Huxley ne furent pas inutiles aux jeunes gens. Le goût des mots, de leur usage précis et signifiant nous resta. En cela, nous avons une grande dette envers lui. Partie 3. Œuvre. Ne sont en principe mentionnés les éditeurs français que dans la mesure où les textes n'ont pas été publiés par plusieurs éditeurs. Dans L'Ardèche à Paris et à Londres, Down and Out in London and Paris, 1933, également traduit sous le titre La Vache enragée. Une histoire birmane, Burmese Days, 1934. Une fille de pasteur, A Clergyman Daughter, 1935. Le Serpent à plumes, Paris, 2007. Et vive l'Aspidistra, Keep the Aspidistra Flying, 1936. Le Quai de Vigan, The Road to Veganpire, 1937. Hommage à la Catalogne, Homage to Catalonia, 1938. Traduit aussi sous le titre Catalogne libre. Un peu d'air frais, Coming Up to Her, 1939. Chronique du temps de la guerre, 1941-1943, The World Broadcast, The World Commentaries, 1988, édition Gérard Lebovici. La ferme des animaux, Animal Farm, 1945. 1984-1949. Essais, articles et lettres, édition Ivrea, l'Encyclopédie des Nuisances, 4 volumes, 1995-2001. Traduction française des Collected Essays, Journalism and Letters, posthume, 1968. Correspondance avec son traducteur René-Noël Rimbaud, édition Jean-Michel Place, Paris, 2006. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse www.gnu.org/copyleft/fdl.html.